Roseville, précisément New Grove. Ben, nous déplacer justement pour venir guetter un peu cyclone de près, qui l'effet cyclone, parce que nous avons une Blue Bay, une place tranquille. Et je tendais un peu pas cela, près à Blue Bay, mais nous venons guetter un coup qui se bat l'effet de Blue Bay. Mais comme nous pouvons constater, enfin, il est assez correct. Il passe à faux là, mais pas conseil du monde si sorti. Mais nous venons guetter comment, parce qu'après une bonne époque, nous avons un cyclone. Et comment nous avons envie de guetter, comment il était. Nous avons perdu sa sensation cyclone là, comment dire. Nous avons gagné un cyclone qui, comment dire, qui vraiment fait l'adrénaline monter. Et nous sortons pour guetter un coup. Et voilà, nous là, moi avec mon deux cousins, nous faisons des tours, nous pouvons guetter un coup. Mais en route, tout ok, nous ne trouvons aucun gros dégât majeur, à part un pied qui est tombé là-bas. Nous connaissons, nous prenons un risque, mais quand même, nous prenons une précaution, à part nous machines. Mais nous, en tant que citoyens conscients, comment dire, nous sommes sortis parce que nous, enfin moi, je suis sorti, je ne connais pas, je ne suis pas autorisé même, mais mon propre risque, l'eau, mon responsabilité, je connais pour capable de gérer la situation si arrive quelque chose. Alors, ben, guitare pour moi, ça a été quelque chose d'assez émotionnel parce que ben, ça fait 22 ans que j'habite à Maurice et je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et après les snis, les vagues qui s'écrasent. Sur la plage, j'avais plus de plage quand même. Hein. Et on voulait presque sortir nos planches de surf, aller surfer. Et, alors qu'on était dans le lagon. Et le vent hier soir était terrifiant. On entendait des branches qui s'envolaient de partout. Et des feuilles de tôle qui menaçaient de s'arracher. Et l'électricité a coupé vers quoi, une heure du matin. Et sans électricité, sans rien. Et ouais, c'était une expérience assez exceptionnelle.